Yep, do we have English aboard? English? English, a lot of English. So welcome aboard for a sightseeing tour. Et les francophones d'abord, français. Ah, la plupart en fait des francophones. Alors, bienvenue à bord pour notre petite promenade à travers la jolie ville de Londres. Haben wir hier Deutsch an Bord? Auch noch? Das kann nicht sein. Die Menschen, die Nederlands praten, hier verstaan je toevallig Nederlands, Frans of zeker Frans, Engels of Duits? Ja, dat heb ik nu. Engels en Duits. Oh, oké. Okay. Donc nous commençons notre promenade ici sur la Lys. Donc cette rivière s'appelle la Lys, petite rivière qui prend sa source au nord de la France, en Artois. Et la Lys se jette dans l'Escaut. Et ça se passe ici à Gand, là, 2 kilomètres derrière nous. Et là, en fait, le nom de cette ville, le nom Gand, dérivé d'un vieux mot celtique, le mot Ganda. Et Ganda signifiait tout simplement lieu où deux rivières se joignent, un confluent. So, the name of this river, it's the Lys, or the Leie in Dutch. It's a small river coming from northern France. And this river, the Lys, ends in another river, the river the Scheldt. Two rivers meet about 2 kilometers behind us. And that's the reason why the city is called Ghent. The name Ghent is derived from an old Celtic word, Ganda. And Ganda simply meant a place where two rivers come together, a river confluence. We have the fact here of this Fluss an, that is the Leie. The Leie, kleiner Fluss, comes from northern Frankreich. Ungefähr 200 Kilometer lang. Und dieser Fluss, der endet hier in Ghent in einem anderen Fluss, die Schelde. Beide Flüsse, die kommen ungefähr 2 Kilometer hinter uns zusammen. Und von da auch der Name der Stadt, der Name Ghent, abgeleitet von einem alten keltischen Wort, Ganda. Und Ganda bedeutet einfach nur Ort, wo zwei Flüsse zusammenfließen. Und Zusammenfluss, Mündung, sowas in diese Richtung. Gleich haben wir links, da um diese Ecke, eine sehr schöne Aussicht auf die 3 Türme der Stadt. Zwei Kirchen, dazwischen dieser Belfried. Die Kirche ganz vorne, das ist St. Nikolaus-Kirche, das war die Kirche der reichen Händler, der reichen Genter Schiffer. Der zweite Turm in der Mitte, das ist der Belfried. Dieser Belfried, der stammt aus dem 14. Jahrhundert, hat man das Wachturm benutzt, das ist 95 Meter hoch. Oder ganz oben auf diesem Belfried sehen Sie einen Drachen, ein verwundeter Drachen. Dieser Drachen, das ist der symbolische Beschützer der Stadt. Und der letzte Turm da ganz hinten, das ist der Turm der St. Bavo-Kathedrale. Schöne gotische Kirche, die im 16. Jahrhundert fertig gebaut wurde. So, here on your left hand side, the famous row of Ghent towers. It's a little bit the medieval skyline of Ghent. Two churches in between the belfry. The first church, St. Nicholas Church, used to be the church of the rich merchants, the rich Ghent shippers. Then the second tower, one in the middle, that's a belfry. So it's not a church. The belfry was the symbol of the civic independence of Ghent, because inside the belfry were kept under lock the privileges of the city, the town liberties, written documents. But the belfry was also used as a watching tower, and on top of the belfry you can spot a dragon. It's not a rooster, it's a dragon. But the dragon, the symbolic protector of Ghent. And the last tower, that's the one of St. Barbara's Cathedral, just the main church here in Ghent, it was finished in the 16th century. Donc avant face de vous, cette fameuse rangée des tours gantoises, tout d'abord l'église Saint-Nicolas. L'église Saint-Nicolas, c'était l'église des riches marchands, des riches bateliers gantois. Puis la deuxième tour au milieu, ça c'est le beffroi. Alors ce beffroi date du 14e siècle. Et on l'a utilisé comme tour du gueux. Sur la flèche du beffroi, ici à Gand, il y a un dragon. Un dragon en cuivre doré. Alors ce dragon, le défenseur symbolique de la ville de Gand. Et puis la troisième tour là-bas au fond, ça c'est la tour de la cathédrale Saint-Baron. Une jolie église en style gothique rayonnant, style gothique tardif, terminée au XVIe siècle. À l'intérieur de cette cathédrale Saint-Baron, vous pouvez admirer ce fameux retable, l'adoration de l'agneau mystique, un chef-d'œuvre mondialement connu, réalisé par les frères Van Eyck. Terminé en 1432
Et cette œuvre est considérée comme l'œuvre principale de l'art flamand au XVe siècle, soi-disant primitif flamand. Donc un vrai chef-d'œuvre considéré comme une des sept merveilles de ce pays. Et donc chaque jour, des centaines de touristes viennent voir ce retable et ils restent devant cette œuvre bouche-bée. Alors pour la protéger contre l'humidité produite par toutes ces bouches ouvertes, on l'a mise dans une cage en verre déjà en 1986. Et en plus, on craignait qu'un jour un cerveau dérangé jette dessus un acide ou autre substance nuisible pour le simple plaisir pour l'abîmer, pour l'abîmer. Donc pour des raisons de sécurité cachées derrière du verre, l'agneau mystique. Alors si nous continuons dans cette direction-là, nous arriverions finalement en France. Mais bon, pourquoi aller en France? J'ai la chance d'être ici à Gand, donc ici nous ferons demi-tour dans quelques instants. Et on va de l'autre côté. On l'a en face de nous, derrière ce pont, commence déjà le Gand du 19e, surtout du 20e siècle. Mais nous nous limitons au centre historique de la ville, donc ici nous ferons demi-tour dans quelques instants. Alors ici à droite, il y a encore un ancien couvent des frères dominicains, construit au début du 13e siècle en style gothique et en pierre calcaire venant de la ville de Tournai. Alors aujourd'hui, ces bâtiments appartiennent à l'université de la ville. On y trouve entre autres le centre culturel de l'université et puis aussi quelques petits musées. So the building over there on your right hand side, the one we just passed, it's one of the many monasteries we used to have here in Ghent. So this one was a monastery of the Dominican friars. Founded at the beginning of the 13th century, constructed in early Gothic style and in grey limestone. Now today these buildings are the property of the Ghent University and house the cultural centre of the Ghent University, and you can also find some smaller museums inside those buildings. Now here we'll turn and go see the other side. Here in front of you starts the modern part of the city already. We stay in the old medieval part of the answer when we turn. Diese Brücke hier, diesen Fluss, das sind fast alles Drehbrücken. Diese Brücke ist noch ziemlich neu, ungefähr 15 Jahre alt. Gebaut in Form eines Segelschiffes. Voilà, damals gemacht. Das sind so ein bisschen als Segelboote, die früher dabei waren. Aber auch eine Drehbrücke. Später werden wir noch andere Brücken sehen, die älter sind, die aus dem 19. Jahrhundert stammen. Dann dieses Gebäude hier links, das war früher mal ein Kloster der Dominikaner. Das wurde Anfang des 13. Jahrhunderts im früh gotischen Stil und in Naturstein gebaut. Das ist heute kein Kloster mehr. Dieses Gebäude gehört jetzt der Genter Universität. Sie finden dort zum Beispiel das kulturelle Zentrum der Genter Universität und einige kleinere Museen. Es ist weiter vorne rechts auch die Flagge der Stadt Gent. Das ist ein weißer Löwe auf schwarzer Flagge. On your right hand side, you can see the flag of the city of Ghent. So it's a white line, or black flag. So the colors of the city are black and white. Donc là-bas à droite, le drapeau de la ville de Gand, lion en blanc sur le drapeau noir. Donc la couleur de cette ville, noir et blanc. En 1997, le vieux centre de la ville de Gand a été transformé en zone piétonnière. Alors on a également réaménagé le quai au blé à notre gauche, et puis le quai aux arbres à notre droite. Et des deux côtés de la rivière, nous voyons quelques jolies façades historiques. Parmi ces façades, des anciennes maisons de corporations, joliment restaurées il y a quelques années.
On peut partir entre les deux ponts, sans doute, un des plus jolis coins de la ville. L'endroit se trouvait à l'époque le port médiéval de la ville. Déjà au XIe siècle, des bateaux chargeaient et déchargeaient leurs marchandises ici à cet endroit. Alors ces marchandises, aujourd'hui remplacées par des touristes. So in 1997, the old historical center of Ghent was turned into a pedestrian area. Well, they also redeveloped the Cordelet on the left-hand side, the Grasland on the right-hand side, and on both sides of the river, we can see some beautiful historic facades. Amongst those houses, some guild houses, nice restored a couple of years ago. But this part between the two bridges, without any doubt, one of the most beautiful spots in the city. It's a place where the medieval harbor used to be. Already in the 11th century, boats loaded and unloaded the goods here in this part of town. Im Jahre 1997, also vor 13 Jahren, da wurde ein Großteil der Genter Altstadt autofrei gemacht. Dann haben doch hier links die Cornelet, rechts die Grasselet neu angelegt. Und an beiden Seiten des Wassers, da sind wir noch einige sehr hübsche historische Fassaden dazwischen. Einige Zunfthäuser von damals, die haben sie neulich alle schön restauriert. Dies hier zwischen diesen beiden Brücken, ohne Zweifel, eine der schönsten Ecken hier in der Stadt. Was früher mal der Hafen war, im mittelalterlichen Hafen, schon im 11. Jahrhundert haben hier Boote ihre Ladung geladen, gelöscht. Aber gleich da vorne, hinter der Brücke, die alte Fischhalle. Die Fischhalle, die stammt aus dem 17. Jahrhundert. Steht leer, wie Sie sehen können, das wird jetzt demnächst restauriert und das wird dann eine Festhalle. So, da kommt auch ein touristisches Informationszentrum rein, auch ein Restaurant. Das Ganze müsste irgendwo Mitte nächsten Jahres fertig sein, wenn alles nach Plan verläuft. Wenn die Baufirma zum Beispiel nicht pleite geht oder so. Das weiß man ja heute alles nicht mehr. So, the abandoned building in front of us is a former fish market, you know, the fish market, originally built in the 17th century. An abandoned building, as you can see, is going to be restored and will be transformed into a multi-purpose hall, also a touristic information center, and also a restaurant. And those works will be finished in the middle of next year. Donc ici à votre gauche, le vieux marché aux poissons. Du 17e siècle, qui sera restauré, converti en salle d'événements, et puis aussi en centre d'information touristique, également en brasserie et en restaurant. Et puis l'arbre là-bas à votre gauche qui sort du mur, un figuier. Alors comme vous voyez ici à Gand, il fait toujours beau, il ne pleut presque jamais. Et donc on a ici à Gand au moins deux figuiers. Ici à Gand, on produit également du vin. Il y a un vignoble ici à Gand sur le Mont Blanc, dans le jardin de l'abbaye de Saint-Pierre. Très jolie bouteille, un nom évocateur, Monte Blandino, le nom du vin. Mais malheureusement, on ne peut pas le boire. Il ressemble plutôt au vinaigre, ce vin. Donc, ce qui est bizarre, une partie des bouteilles utilisées par le bourgmestre et ses échevins, et les utilisent comme cadeau de relation. Sans doute pour des visiteurs qui espèrent de plus jamais revoir une bouteille qui se présente. So on the right hand side, some well-known pubs, like for example the Beer House. It's one of those pubs that you can choose between more than 170 different kinds of Belgian beers. It's one of our specialties here, Belgian beers. A typical Ghent beer is called Delirium Tremens. It's a strong beer, triple fermented beer, and it has pink elephants on the bottle of the trademark. And after six or seven of these beers, you actually do see pink elephants flying around. Also cute little green crocodiles. Now a little bit further on the left-hand side, we'll see another medievalist building. It's a yellowish building with a certain number of red doors. It's a former arms house. It was built in the 14th century as a shelter for the poor and also for old needy women. Nowadays it houses a museum, a folk museum.
Alors un peu plus loin, à votre gauche, il y a encore un bâtiment historique, là-bas en beige, avec toutes ses portes en rouge, un ancien hospice, construit au XIVe siècle, comme asile pour les sans-abri. Il y a beaucoup de vieilles femmes âgées. Alors aujourd'hui, devenu un musée folklorique, qui s'appelle la Maison d'Alain. Het is bezig gebouwd hier links, maar het is de rode turen, een ehemaliges Gotteshaus. Dat wurde midden des 14. Jahrhunderts errichtet, om arme Leute te beherbergen. Auch ältere Frauen, die konnten dort damals ihre letzten Tage verbringen. Und alte Frauen zu dieser Zeit, das war 35, 40 Jahre, schon sehr alt, das war. Heute mal das Museum, das Heimatmuseum. As you can see, most of the bridges across the river are turning bridges, swing bridges. Most of them were built in the 19th century. But they still function, they can be turned if necessary. It's done by hand, but there's no navigation on the river anymore. Only just touristic tours, small motorboats pass it back from time to time. But they still function, they can be turned if necessary. And as you can see here, the architecture of the buildings changes a little bit. Here we can see some remnants of former factories of the 19th century. Now Ghent, in the 19th century, a very industrialized city. The cotton industry in those days, very important in Ghent. We used to have dozens of textile factories spread all over town. Ghent in those days, also known as the Manchester of the cotton. On both sides of the river, some remnants of his home factories.